wa wa yi le. Ba bien en France depuis quelques années déjà. Oui. Et combien d'années? Ça va faire à peu près 12 ans. 12 ans que vous êtes en France? Oui. Pourquoi vous avez quitté la Côte d'Ivoire? Ben, parce que j'avais envie de changer. Vous avez envie de changer? Ouais, changer d'air. Ouais, j'avais envie de voir autre chose. Envie de voir autre chose? Ouais, c'est tout. Et vous habitez Clermont-Ferrand en France? Oui, on va dire que Clermont c'est ma base quoi. C'est-à-dire? Ben, c'est là que je réside avec ma famille. Okay. Voilà, dans les montagnes. Et l'air est pur à Clermont-Ferrand. Je vis ma petite vie comme tout le monde. En dehors de la musique, bon, voilà, je m'occupe de ma famille, de mes enfants, comme tout le monde. Voilà, je mène ma petite vie, quoi, tranquille. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je suis désolé. Ok. Donc le Woody, c'est fini pour vous? Non, faut pas voir les choses comme ça. Le Woody, on va dire que c'est peut-être le bien mieux pour mieux, pour le recul pour mieux sauter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le Woody, c'est ma famille originelle. Et les Woody ne peuvent pas finir. Voilà. Malheureusement, on a perdu un des nôtres. Mais ça ne veut pas dire que les Woody sont finis. Un jour, avec un peu de chance, vous verrez Woody au grand complet. Sauf Christ de Bagnon, bien sûr, paix à son âme. Les Woody sont nés, on va dire, dans les années, on va dire, hein, dans les années 85, où la rencontre entre Jacques et moi s'est faite. Jacques Delis. Jacques Delis, oui. Mais avant cela, il faut dire que Chris et moi, on s'était déjà rencontré pendant 4 années au sein des Guinness Music de Wikipédia. Et quand Jacques et moi on s'est rencontrés, il jouait déjà avec Chris de Bagnon. Et puis, par rapport à la sensibilité musicale qu'on partageait, on a décidé de se mettre ensemble pour monter un groupe. Et comme pour la plupart des groupes, eh bien, on a galéré un peu pendant quelques années, le temps de mettre nos violons ensemble. Ainsi, de 85, 86 jusqu'en 88, on a fait des répètes, des petits concerts ici à gauche et à droite. On a même fait une petite télé grâce à Roger Fulgence Cassis. On a fait une émission de télé qui nous a permis de mesurer l'impact que notre musique pouvait avoir sur le public. Et ainsi, on a décidé de rentrer en studio pour faire un album. Un album autoproduit par les Woody et par Coup d'Union Stéphane, notre impresario. De cette entente est née à la fin des années 89 l'album Epsilon sur lequel vous avez pu entendre le fameux Dourcy. Ok, vous parliez tout à l'heure de Chris de Bagnon, un artiste qui a marqué à sa façon le monde musical ivoirien. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Eh bien, Chris de Bagnon, au sein de Woody, c'était, j'allais dire, l'artiste par excellence. Du fait même de sa façon de percevoir les choses, du fait du talent qu'il avait de concevoir la musique, ses morceaux, parce que c'est un grand compositeur, Chris de Bagnon, en dehors d'être batteur, hein, c'est un très très grand compositeur, lui et Jacques Delis d'ailleurs. Et c'était vraiment un peu l'âme du groupe, quoi.
C'était un bout en train. C'était un animateur hors pair. Et c'était la gentillesse faite homme, quoi. Chris, il aimait partager. Il donnait tout ce qu'il avait, au point où il pouvait brûler son cachet en une nuit, juste pour faire plaisir aux gens. Voilà. Mais bon, comme les grands ne restent jamais longtemps sur terre, eh bien, je pense que Dieu l'a appelé auprès de lui. Mais là, vous êtes en région parisienne, vous êtes en ce moment en studio. Quoique, pendant ces 12 années, j'ai de temps en temps été à Abidjan, où j'ai fait quelques concerts avec les Woody. J'ai décidé de sortir un album. Normalement, si les choses s'étaient passées comme on l'avait souhaité, cet album serait sorti depuis le début de l'année, de cette année 2012. Mais bon, finalement, on a décidé de sortir l'album pour l'année prochaine, c'est-à-dire au mois d'avril ou mai. Mais en attendant, pour donner un avant-goût de ce que va être cet album, mon ami et moi, dont je ne citerai pas le nom tout de suite, parce que c'est lui qui m'aide à financer cet album, on a décidé de mettre un single pour les fêtes de fin d'année 2012. Et sur ce single, il y aura deux titres que le public va découvrir très bientôt. Il y a Ibossé, c'est l'histoire de quelqu'un voilà, qui avait une belle femme, une femme qu'il aimait et que lui il aimait aussi, mais qui voulait conquérir la terre entière. Hein? Et il a fini par se planter et voilà, il a fini par décevoir la femme qu'il aimait et qu'il aimait plus que tout, et cette femme a décidé de partir. Alors, monsieur, voilà, il est désespéré et il cherche à reconquérir sa compagne. Il se trouve que c'est pas facile parce que la compagne, vous savez que les femmes, quand elles aiment. Mais quand elles n'aiment plus, elles n'aiment plus. Voilà. Donc, monsieur, voilà, dans cette chanson, il pleure, il regrette la femme et il essaie de la faire revenir, ce qui n'est pas chose facile. Voilà. Donc il bossait, ça veut dire sache, ma chérie, que c'est toi que j'aime. Voilà. Sache que c'est toi la femme de ma vie. Une histoire avec lui ? Oh, mais c'est, on va dire ça. C'est une histoire que la plupart des hommes sur la terre ont vécu. Donc c'est une histoire qui retrace un peu voilà, les histoires de couples, des hommes en général, des hommes, on va dire, infidèles. Phil Azoumé a-t-il un homme à femme? Ouais, on peut dire ça comme ça, parce que j'ai 5 femmes, j'en avais 6. J'ai 5 femmes dans ma vie, hein, 5 femmes extrêmement importantes dans ma vie. Il y en a une qui est partie, c'est ma mère. Et il y en a 5 qui sont là, ce sont mes 5 filles. Donc de ce point de vue, je pourrais dire que je suis un homme à femme parce que je suis toujours entouré de mes filles, que j'adore par-dessus tout et qui ne jurent que par moi. On va dire que vous êtes un homme heureux. Et le deuxième titre ? Alors le deuxième titre, ça parle encore d'une histoire d'amour, parce que moi c'est l'amour, hein, c'est l'amour qui tient le monde. Hein. Donc le deuxième titre, il s'intitule « Pourtant je l'aime » en français et en langue, on va dire, awalé. Et c'est, dans ce titre, voilà, c'est l'histoire d'un homme, dans un premier temps, qui rencontre une femme dont il tombe éperdument amoureux. Et après qu'il ait l'adhésion de toute sa famille, ben naturellement il épouse et ils se mettent en couple. Et après, bon, il se rend compte que voilà, c'était pas vraiment ce qu'il voulait, parce qu'elle a un caractère, un comportement qui est totalement différent de ce qu'il avait espéré. Et il raconte dans cette chanson que ouais, voilà, la femme, bon voilà, je découvre quelqu'un d'autre, elle fait ci, elle fait ça, elle est infidèle, elle couche avec tout le monde. Elle ne s'est même pas fait cuire un œuf,
Elle ne peut pas s'occuper des enfants, voilà. Elle n'est jamais là quand mes parents ou quand les parents arrivent. Et puis voilà, elle a fini par me décevoir terriblement, quoi. Donc je lui ai demandé de prendre ses bagages et de s'y casser. Et dans le deuxième couplet, cette fois c'est une femme qui dit exactement la même chose que dans le premier couplet, sauf que là, c'est la femme qui fait et qui découvre un autre homme que celui qu'elle a, qui l'a charmé et qu'elle a aimé. Voilà. Votre album a bénéficié de la participation de certains artistes de renom. Ben oui, c'est un album que sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. Donc bon, il y a eu mes musiciens de Clermont, mon bassiste, mon clavier, et les batteurs et tout. Et puis au niveau d'ici, de Paris, voilà, il y a eu la participation de la doyenne, la vieille mère Reine Pélagie, avec laquelle j'ai fait un featuring que le public découvrira. Un autre titre sur lequel j'ai fait également un featuring avec Ami Bamba, que tout le monde connaît, parce que bon, qui était un peu la cheville ouvrière du Solar System de Alpha Blondy, qui est en train de monter, et croyez-moi, Ami Bamba, elle va faire très très mal. Et puis il y a eu la participation également, ne serait-ce que dans les chants, hein, dans les chants de mon neveu Ismaël Agana, un artiste émérite, le fils de l'autre. Et puis il y a eu maintenant la participation du célébrissime John Kiffy, anciennement John Yale, avec lequel j'ai chanté un titre dans lequel nous rendons tous les deux hommage à Chris Desbagnon. Voilà, Chris Desbagnon qui était un frère. Il y a eu la participation à la basse d'un ami de très très longue date, un ancien de Woya, en la personne de Kadia Philippe Niagny, qu'on appelle dans le milieu Pipo. Voilà, Pipo qui est descendu spécialement du Havre, son lieu de résidence, pour me prêter main forte. Franchement, je voudrais lui dire à travers vous, Axel, je lui dis merci, grandement merci pour ce geste. Voilà, j'aurais souhaité qu'il y ait des gens comme Chris Desbagnon, Obo, mais bon, on se retrouvera dans le cadre de notre famille, Woody. Et voilà. Au chant, dans les chœurs, il y a eu Ami Bamba et Julie. Julie qui est choriste de Tikenja, qui est une petite sœur aussi. Voilà. Donc sur cet album, il y a eu la participation de beaucoup de gens. Et de Dongui, à qui je voudrais dire un grand merci aussi. Parce que non seulement Dongui, il a fait le son, machin, tout, son studio, il est impeccable. Mais du point de vue des instruments, Dongui s'est largement investi dans la confection de cet album. Donc voilà, je voulais dire merci à tous ces gens. Et ce sera un album de combien de titres? Un album de 12 titres. Et il sera baptisé? Junto. Junto, c'est-à-dire? Junto, c'est le nom de ma mère. L'une des 6 femmes de ma vie dont je parlais tantôt, qui nous a quittés brutalement le 24 décembre 2006. Donc l'album porte son nom parce qu'il y a un titre que je lui ai spécialement dédié. Et le titre, c'est Junto. Voilà. Okay. Qui est le nom de cet album. Junto. Oui. Alors, le single qui va sortir, il s'intitule Awale, parce que Awale, en langue bété, qui est une langue de Côte d'Ivoire, ça veut dire mon amour, ça veut dire aussi aimons-nous. Hein, voilà.
C'est une façon de, pour moi, de prôner l'amour, l'union entre les peuples, entre les hommes et les hommes, entre les hommes et les femmes, d'autre part. Voilà. À travers ce single, eh ben, je voudrais rendre hommage à un grand, grand ami avec lequel j'ai joué dans l'orchestre de l'université, à l'époque appelé OUA, avec notamment Paul Dodo, Tibius Kofi, Momo Lui, Abou Smith et j'en passe. Cet ami-là, il s'appelait Madris. Obou Dabia Madris, qui est décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et je voudrais lui rendre hommage de façon particulière. Ok. Nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot pour vos fans? Eh bien, bon, que les fans sachent que les Woody, c'est pas fini. L'aventure va continuer. Mais dans l'entracte, on va dire ça comme ça, j'ai décidé de faire un album. Parce que vous savez bien qu'en 92, Chris Desbagnon avait fait un album solo. Hein, un album pour lequel j'ai été directeur artistique et arrangeur. Donc bon, c'est pas exclu qu'on fasse des trucs à côté. Jacques Delis peut demain faire un album. S'il a besoin de moi, je viendrai le soutenir pour la confection de cet album. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc en attendant que les Woody se retrouvent au grand complet, bon, sans Chris Desbagnon bien sûr, ben, je me suis permis de voilà, faire un album parce que je suis avant tout artiste musicien. Et je ne vis que à travers voilà, mes œuvres. À bientôt, tous les fans de Woody, tous les fans de Fila Zoumé, tous ceux qui aiment Fila Zoumé. Mais je vous signale que maintenant j'ai décidé d'ajouter mon patronyme à moitié sur mon pseudo. Donc désormais ce sera Fil Azoumé J. Simplement J, c'est le diminutif de JJ. Mais on écrira J-A-Y pour faire un peu voilà, fan. Quoi. Fun ou fan, je ne sais pas. Voilà. Mais désormais, retenez Fil Azoumé J. Et Azoumé, ça a une signification? Bien sûr. Azoumé, d'abord, ça veut dire fusion. Ça veut dire soyons ensemble. Mais au plus profond de la signification de cette appellation, c'est que Azoumé, ça veut dire en fait, nous sommes suffisants, on peut y aller. Imaginez une seconde qu'on doit aller faire, voilà, par exemple, on doit aller compétir. Mais sont nombreux, on peut y aller. Voilà, on doit aller compétir, nous ne sommes que deux ou trois. Et puis, Axel Hilary est arrivé. Mais Axel, à lui seul, il fait l'équivalent de 15 personnes. Donc, bon, avec l'arrivée d'Axel, on s'est écrié « Ah, Azoumé ». Azoumé qui est le diminutif de Azoumamé. Ça veut dire, on est suffisant, voilà, grâce à Axel, on peut y aller. Voilà, c'est ça Azoumé. Merci, Phil. Merci, papa. Petit, 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 petit